Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un retour haul nose. Donc un petit haul, il n'y a pas grand chose. Ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allée, peut-être 3 semaines ou 1 mois, je ne sais plus. Oui, au moins ça, je pense. Donc il y avait pas mal de décorations de Noël, etc. Mais j'en avais pas forcément besoin. Dans les vêtements, il n'y avait rien de folichon. Et il y avait encore pas mal de bacs vides. Bon, comme d'habitude, vous le savez, j'arrive toujours à trouver des petites bricoles qui sont utiles pour le foyer et la maison. Et là, j'en ai eu en tout pour 16,38 €, dont un article qui m'a coûté 4,99 €. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai trouvé un lot de shampoing, le Petit Marseillais, infusion de coquelicot et pamplemousse bio, cheveux ternes, cuir chevelu normal. Donc il y a deux shampoings comme ceci pour 1,90 €. Donc je me suis dit que ça allait peut-être changer un petit peu du dope antipelliculaire pour mon mari et les filles. Et 1,90 € les deux, bah, c'est un bon prix pour du Petit Marseillais. J'ai repris des petites éponges comme ceci, gratte-gratte, pour mes plats de four, etc. Mes plats en pyrex. Donc ça, j'ai payé ça 89 centimes. Donc ça, c'est toujours utile. Hein. Donc c'est de la marque Nichols. Ensuite, j'ai acheté des petits gâteaux de la marque Lu Bio. Le nappé au chocolat noir. Donc il y a 4 paquets à l'intérieur de 3 petits biscuits. Donc ça, c'était 1,22 €. Donc c'est pour goûter parce que je ne connais pas du tout. Et ça va jusque fin décembre. Donc j'ai 1 mois pour les manger. Ça va être mangé d'ici là. J'ai trouvé un masque Skin Academy Indulge à 99 centimes. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé le packaging sympa. Non, je l'ai pris parce que en fait c'est à la noix de coco, tout simplement. Donc il y a le liquide là, le masque en tissu ici. Et je ne connaissais pas du tout ce masque. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa pour tester. Donc 99 centimes, coconut et butter. Donc amande et noix de coco. Voilà, à la noix de coco et à l'amande. Donc ça a l'air super sympa. Donc voilà. Qu'est-ce qui est noté de plus? Non, il y a le mode d'emploi ici derrière. Hein, voilà, tout simplement. Et nickel. Voilà, donc j'ai hâte de tester ce petit masque. Donc, je vous en parlerai dans les produits terminés. Ensuite, j'ai repris du dentifrice. Donc, j'avais pas mal utilisé d'Aquafresh 3 ces derniers temps. Et pour changer un petit peu, j'ai repris deux dentifrices de la marque Colgate. Donc, Colgate Max Fresh. Donc pour 95 centimes, donc là ça vaut le coup également. Et toujours pour 95 centimes, celui-ci, le vert. Voilà. Donc ça changera un petit peu des Aquafresh 3 bleus que j'ai en stock. Du coup, ça permet de changer un petit peu. Un petit achat déco, j'ai acheté un petit chemin de table comme ceci au prix de 2,99 €. Donc il fait 45 sur... enfin, multiplié par 150 cm et c'est du 100% coton. Donc, ça sera certainement pour mettre sur ma petite table basse quand je vais installer le sapin la semaine prochaine. Donc, j'ai pris rouge avec des étoiles or. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est chaleureux et ça met un petit peu de cocooning. Voilà. Donc, 2,99 € ce petit chemin de table. Et le dernier article que j'ai acheté, et ça sera pour ma fille. Donc, ma fille du milieu, elle n'avait pas de calendrier de l'Avent. Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, etc. Et je lui ai pris un petit calendrier de l'Avent de la marque Profusion, comme ceci. Mais il a 12 cases. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit calendrier de l'Avent beauté, make-up de la marque Profusion. Donc, c'est une marque américaine. Donc, il y a 12 cases à l'intérieur. C'est vegan et cruelty free. Voilà, et pour 4,99 €, ça fait du coup un petit calendrier de l'Avent sympa. Et à ce qui paraît, ces produits-là de la marque Profusion sont pas mal du tout. Voilà, donc pour 4,99 € ce calendrier de l'Avent. Donc, il s'ouvre comme ceci et vous avez donc les 12 cases à l'intérieur. Voilà, tout simplement.
Donc j'ai déjà vu quelques vidéos, je sais qu'il y a un pinceau, un petit blender, un petit highlighter, etc. Donc elle va être contente d'ouvrir ce petit calendrier de l'Avent là, puisqu'elle n'en avait pas. Et je me suis dit pour le prix, ça fait un petit cadeau sympa. Voilà. Et pour le dernier article, non, j'ai oublié celui-ci. Un article ménager au prix de 1,50 € le gros bidon d'Ajax senteur pain. Donc il y a 1,25 litre. Donc d'habitude je le prends chez Action. Mais là je me suis dit le gros flacon comme ceci, je me suis dit pour 1,50 € ça vaut le coup. Et l'odeur du pain, j'adore, ça sent super bon. Donc voilà pour mes achats de chez Noz. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y réponds à chaque fois. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!